Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes petits pancakes hyper protéinés. Vous allez voir, c'est facile, rapide, pas cher et c'est hyper bon. Dans cette vidéo aussi, comme vous le voyez, il y a une espèce de petit sirop qui remplace le sirop d'érable ou le miel sur mes pancakes. Je vous mettrai la recette de ce sirop que j'ai posté hier dans le descriptif en barre d'infos. Donc c'est parti pour les pancakes, on y va. Pour commencer, on aura besoin d'un yaourt ou de 100 g de spécialité au soja et d'une farine, ah oui parce qu'ils sont sans gluten aussi, une farine que j'ai trouvée à Lidl, que je trouve très bien, qui est sans gluten, avec lesquelles j'ai fait les pancakes. Vous mettez donc le pot de yaourt dans un saladier et avec le même pot, vous mettez 3 pots de farine. On ajoutera ensuite un œuf avec de l'extrait de vanille, une cuillère à soupe de sucre et une bonne pincée de sel. Vous commencez à mélanger le tout. Puis vous ajoutez un pot d'eau. Vous mélangez à nouveau toute la préparation et on va venir ajouter la moitié d'un sachet de levure chimique. Dans une poêle bien chaude avec un fond d'huile d'olive ici, vous allez étaler la pâte tout simplement avec une cuillère à soupe. Donc moi je les aime bien dodus mais vous pouvez les faire plus fins si vous voulez. Vous obtenez ensuite ce magnifique résultat. Je me suis dressé une petite assiette avec 4 pancakes. Un autre yaourt, une autre préparation au soja, des fruits rouges, quelques amandes, une pêche et j'ai fait ce magnifique sirop qui a remplacé le sirop d'érable et ou le miel qu'on met habituellement et qui change, qui est original et qui est hyper bon. Je vous laisse aller voir ce que c'est. J'ai dressé mon assiette avec beaucoup d'amour, comme vous pouvez le constater. Je trouve vraiment ce petit déjeuner ou ce dessert, ou même peut-être ce dîner pour certains, qui sait, hyper bon, rafraîchissant. Bien sûr, vous pouvez faire ces pancakes avec des yaourts au lait de vache. C'est un peu plus économique en fait que d'utiliser des boissons lait de soja ou tout simplement du lait. On trouve par exemple des yaourts au lait de vache à 50 centimes parfois. Donc quand vous en mettez un avec un peu d'eau, déjà vous avez un apport protéiné qui est quand même supérieur au lait, et idem d'ailleurs pour les préparations de soja, et en plus vous payez moins cher. Donc vous pouvez aussi faire vos pancakes avec des yaourts et des préparations de votre choix et vous régaler comme vous pouvez l'imaginer en voyant ces images. J'espère que les vidéos vous plaisent. Si vous avez des idées, des suggestions ou tout simplement des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos puisque je ne suis pas sponsorisée, pour qu'elles soient plus visibles et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker et à m'encourager, ça me donne beaucoup de force. Prenez soin du monde, prenez soin de vous.